Elles viennent d'acquérir de nouvelles connaissances susceptibles d'être utiles pour le reste de leur carrière professionnelle. 20 femmes attachées et assistantes à la primature de la République ont reçu les attestations ce 21 juillet au terme d'une formation axée sur le renforcement des compétences numériques. C'est donc une immense fierté pour nous qui, après avoir accompli un parcours d'apprentissage enrichissant, avons acquis de nouvelles compétences qui auront certainement un impact significatif sur notre travail quotidien. Aussi espérons-nous avoir toujours l'occasion de nous former tant de manière collective qu'individuellement, afin d'ajouter en plus à notre cursus pour mieux assumer nos fonctions, car il faut faire et en faisant se faire, comme l'a dit le philosophe Jules Le Quay. Il s'est agi au cours de cette formation initiée par l'ONG Pratique de dispenser aux bénéficiaires les notions élémentaires liées aux technologies de l'information et de la communication, en phase notamment avec les nouvelles exigences administratives. Le tout sous la supervision d'une ossature de formateurs qui n'a pas failli à ses missions. Au cours de cette formation, plusieurs modules ont été effectués, parmi lesquels figurent l'essentiel de l'ordinateur et du web qui avait été fait par le groupe 1. Et le groupe 2 a eu à faire le module sur le tableur qui est donc Excel. Au cours de cette formation, les 20 femmes ont pu être formées et au sortir de cette dernière, 13 parmi elles ont été certifiées ICDL. Et pour mener à bien ce projet de certification, toute l'équipe Académie numérique a eu à y participer, notamment le département pédagogique, administratif et technique également. Dans un monde en perpétuel mouvement, la maîtrise de l'outil numérique constitue de nos jours l'une des conditions de travail dans une administration. Et se faire former devient donc une obligation. Notre satisfaction est grande au regard des résultats obtenus. Même s'il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif escompté, vous conviendrez avec moi que la formation continue est une nécessité pour toute institution car elle est l'essentiel de notre succès. Plateforme incontestée dans la promotion et le développement du numérique en République du Congo, l'ONG Pratique ne cesse d'étendre ses formations au profit de plusieurs corps de métier. Dernièrement, c'était au tour des jeunes entrepreneurs d'en bénéficier avec certification clé en main.